plonger dans l'univers noir et blanc du Mega Launch Mega Mobile ou Mega Mobile Mega Launch 640. Oui, je sais, c'est le deuxième. C'est pour ça que la vignette faisait... Oui, mais ici, c'est vraiment différent. Imagine d'abord un mètre de confort en plus pour toutes tes escapades, un salon spacieux, un coin douche luxueux et tout ça dans ton fourgon. Il est tout équipé, mais vraiment tout équipé. Mais il est pour deux et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Découvre comment les experts slovènes de Megamobile ont révolutionné la van life. Hey, salut Cass et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel, ou du ch'ti Marcel, et comme vous voulez, en camping-car, hein, et motorhome pour les ch'tis belges évidemment. C'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos, et je m'appelle Marcel, mieux connu évidemment sous le nom de Petit Marcel. Tu es au cœur du rendez-vous des passionnés en quête des meilleures informations qui font trembler le monde assez fermé des véhicules de loisirs. Mais oui, mais pourquoi donc? Je serai ton guide dans le fascinant monde des véhicules des loisirs. Et plus particulièrement, si tu explores pour la première fois ce merveilleux passe-temps. Mais bien sûr, pas seulement pour les débutants. Hein. Tu découvres ma chaîne et mes vidéos pour la première fois? Le lien qui apparaît te conduit vers 3 minutes d'explication. Moins de 3 minutes. Tu sauras tout sur moi. Aujourd'hui, je me suis rendu chez Bouillard Nature Évasion. Et le showroom est assez proche de la France, du côté de Mons. Et c'est plus précisément à Manage, à la sortie de l'autoroute. Et évidemment, tu l'as compris, c'est en Belgique. Concernant ce porteur, c'est le Citroën Jumper. Mais tu peux aussi le commander sur le porteur Fiat Ducato, le Peugeot Boxer ou encore l'Opel Movano ou Movona, je ne sais plus. Mais t'as compris. Et tu peux aussi choisir en version traction avant ou traction intégrale. C'est le système français d'Angel. Ici, c'est une traction simple. Côté option, avec ce constructeur, tu en as assez que pour retrouver un équipement sur mesure. Ici, pour le prix que je vais t'annoncer, tu as un store, un panneau solaire de 140 watts, une caméra de recul, un système de navigation Garmin et tu as même un vrai air conditionné, une clim. Les dimensions sont classiques puisqu'il s'agit de base d'une camionnette de série. 6,40 m de long, 2,05 m de large hors rétroviseur et 2,90 m de haut, 2,90 m. La hauteur intérieure est de plus de 2,10 m. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 3 tonnes 500 kg. Et le poids à vide en ordre de marche est de 3 tonnes 20 kg hors option. Il te restera donc au moins 400 kg en comptant les options dedans. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 3 tonnes pour autant que ton permis, évidemment, ne te le permette. Sans frein sur ton attelage, ce sera les 750 kg. Réglementé. J'ai l'impression que je me répète toujours à chaque vidéo, mais je dois quand même te donner des informations de ce type-là, il me semble. C'est encore ici le moteur PSA de 2 litres 200 avec 165 chevaux, mais à partir de la collection 2025, ce sera le même que le moteur Fiat dans toutes les marques du groupe. Et il paraît même que le moteur Fiat retrouverait sa jauge d'huile. Ce sera évidemment à vérifier. La boîte de vitesse ici est manuelle à 6 rapports et pour les prochains véhicules Citroën, tu pourras, et oui, opter pour une boîte automatique à 8 rapports. Ça va en faire des heureux. Côté capacité du réservoir de carburant, c'est un 90 litres 90 litres. Mais visiblement, à partir de la prochaine collection, il pourrait bien y avoir des réservoirs de 60 litres et hop, 30 kg en moins. Le réservoir de l'Alibou reste, lui, classique de 19 litres. Dois-je te le rappeler? Ajoute de l'additif qui empêche la cristallisation de l'Alibou à chaque plein, sans quoi tu devras remplacer ton gigleur plus vite que prévu et ça coûte pépette. C'est un 4 places carte grise et il est prévu d'y dormir à 2. Côté isolation, l'ensemble est recouvert de 25 mm de Kayflex à port fermé. Ça a son importance, crois-moi. Sur le mur et sur les portes arrière et sur les coulissants. L'isolation du plancher est de 19 mm d'épaisseur. Et ici, il y a aussi une isolation de 6 mm appelée anti-pont thermique sur les plafonds, sur les montants, etc. Et en plus, il y a encore une garniture intérieure des portes
et les plafonds en textile, par exemple en Alcantara. Il est précisé que c'est sans plastique dur. Ça doit sûrement avoir son importance, mais je ne la connais pas. J'ai envie de dire que le programme annoncé est vraiment alléchant. Au niveau de l'isolation, je parle, même pour le reste. Le K-Flex à pour fermé est un matériau isolant en caoutchouc élastomère de la marque Cayman. Et il peut être aussi utilisé pour les conduites d'eau froide et d'eau chaude. C'est un des meilleurs isolants du marché, sache-le. Un des avantages de ce produit est qu'il empêche de manière fiable la condensation et réduit le risque de corrosion sous l'isolation. Il a une excellente performance d'isolation thermique, ce qui signifie qu'il aide à maintenir la température intérieure du fourgon, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid à l'extérieur. En raison de sa structure à pores fermés, cet isolant empêche efficacement l'infiltration d'air et d'humidité, dans le fourgon évidemment. Cela aide à prévenir la condensation et la formation de moisissures à l'intérieur. Sache qu'à comparer à d'autres types d'isolants, le K-Flex est relativement coûteux. Côté développement durable, le recyclage du K-Flex peut être difficile en raison de sa composition synthétique et de sa structure à pores fermés justement. Mais ça, c'est juste pour info. C'est rare quand j'en parle, mais c'est aussi rare de devoir apporter des précisions à ce niveau-là. Je te parle du WC. Chez Megamobile, tu peux avoir tes propres exigences et choisir par exemple ton système de toilette qui te convient. La première option, tu choisis une cassette traditionnelle ou un WC sec à séparation. La deuxième option, tu choisiras n'importe quel autre système de WC, celui que tu veux. Le fourgon arrivera chez ton distributeur sans WC, et c'est lui qui le placera, celui de ton choix évidemment. Pour t'aider à choisir ton WC, et je pense que c'est vraiment une importance dans un véhicule, j'ai rédigé évidemment un article qui t'explique tout ce qu'il existe sur le marché. Il y a même des systèmes de WC à incinérateur. Tu dois risquer d'avoir chaud aux fesses avec ça. Pour en revenir au véhicule, le chauffage chauffe-eau est le Truma de 4000 watts avec son boiler d'eau chaude, forcément de 10 litres, qui fonctionne au gaz. Et tu as aussi le CP+. Ici, ce n'est pas le cas. Mais tu peux aussi avoir une bonbonne GPL LBG de 20 litres en option qui se place sous le fourgon. Gain de place, je dis gain de place. Côté capacité des réservoirs d'eau, 80 litres pour les eaux propres et pour les eaux usées. Bien, c'est peu, mais vous êtes deux. Ici, il n'est pas présent, mais au cas où tu prévois d'aller dans les régions plus froides, tu pourras ajouter l'option réservoir des eaux usées, isolées et chauffées pour moins de 300 euros. Au niveau de la cuisine, de base, c'est le frigo à compression de 90 litres, 90 litres. C'est celui qui est présent ici. Mais tu peux aussi avoir en option le 150 litres. Ce n'est que pour me plaire. Côté énergie embarquée, de base, c'est une AGM, une batterie AGM de 80 ampères qui est prévue. Impossible de se contenter de cela sous peine de devoir courir après une prise électrique. Tu peux en ajouter une deuxième pour 300 euros de plus, mais ça alourdit inutilement. La monture, je parle. Et sans garantie que la quantité soit suffisante. Mais tu as aussi l'option lithium 100 ampères qui est disponible. Pour moi, c'est le minimum ce que tu dois avoir quand tu as un frigo à compression. Au niveau du couchage, le lit arrière, c'est un lit pavillon. Il mesure 1,92 m, 1,92 m sur 2 m. Pas mal, hein? Tu vas voir, c'est grand et c'est confortable. Le matelas est à mémoire de forme. J'ai expliqué tout ça dans le reportage réalisé en Slovénie où tu découvres dans les moindres détails la fabrication des véhicules. Au niveau ambiance, il y en a pléthore. 9 couleurs de meubles, 5 couleurs de plans de travail et de table, 5 couleurs de sol et 25 couleurs de tissu. Tu trouveras assurément ton effet waouh. Et comme tu vas le voir ici, tout est possible. Ici, c'est du blanc et du noir. C'est vraiment design. Donc, classique de chez Citroën, classique de chez Peugeot ou encore d'Opel. Mais sache que collection 2025, ça changera. C'est tout à fait différent et ça ressemblera beaucoup plus
au Fiat, donc je ne m'attarde pas dessus, mais ce véhicule a quand même des anti-brouillards, anti-crash pour moi et pour une grande partie des petits Belges. Tu as des optiques diurnes en LED, ça c'est pas mal. Et je pense que tu n'as aucune aide à la route. C'est des choses qui vont devenir obligatoires pour dans 2 ans. Ce sont des gens tollés, mais sache qu'en général, quand ça vient de chez Megamobile, c'est des gens tollés qui arrivent, mais pour quelques centaines d'euros en plus, tu auras des gens en alliage. Parce que Megamobile en fait travaille avec des jantes en alliage qui sont plus chères que les autres, c'est pour ça en général que les distributeurs ne les achètent pas, mais qui sont renforcées et qui sont faites pour avoir du poids en permanence dessus, ils ne se déforment pas. C'est un choix, mais tu pourras choisir. Classique évidemment, c'est un blanc, mais j'ai envie de te dire, c'est pas tout à fait blanc, quoi. C'est un blanc cassé, mais il n'est pas cassé non plus. Bref. Voilà, le look à l'extérieur, mis à part le fait que tu as une bande lumineuse en LED sur toute la largeur de la porte, et ça c'est bien, parce que quand il pleut, si tu n'avais pas de store, eh ben, l'eau ne tomberait pas sur ton front, donc ça c'est plutôt bien. Puis même quand ça goûte du store, ça ne rentrera pas dedans non plus, ça passera sur les côtés, donc ça c'est bien. C'est un H3, donc c'est les plus hauts qu'il existe. Il y a une baie Dometic, c'est des S4 avec des vérins. Je les aime vraiment bien. Tu verras plus à l'intérieur. Une marche, je vais la mesurer, mais de mémoire, elle fait 50 et quelques. Ah, 55 cm. Mais tu vas voir, il ne saurait pas mettre une plus grande. Hein. Si, il pourrait, mais il y a des choses qui t'empêcheront de marcher dessus. Donc, ce n'est pas intéressant. Le store, je te l'ai dit, la deuxième roue, et il y en a encore deux de l'autre côté, donc ça t'avancera. Je la fais souvent, celle-là. T'as rien d'autre, mais tu vas voir, c'est très spécifique à l'intérieur. Hein. Ici, c'est pour remplir ta citerne d'eau de 80 litres. Ici, c'est pour mettre ton barbecue. Il est bien mis, hein, de ce côté-ci du véhicule. Tu vas voir pourquoi je dis ça. Et ici, c'est pour brancher une télévision ou ce que tu veux, en fait. Hein, mais tu as tous les multimédias pour pouvoir les connecter. Et si tu avais la bonbonne de gaz de GPL, eh bien, elle viendrait se mettre ici, tu remplirais par ici aussi. L'arrière, je t'ouvrirai les portes après, mais tu n'as rien, mis à part, une des choses les plus importantes, c'est une caméra. Et il y a de l'infrarouge dessus, donc tu verras même pendant la nuit, et ça, c'est plutôt bien. Pour finir, ça va vite évidemment, parce que il n'y a pas grand-chose à monter à l'extérieur. Pour te brancher au niveau de l'électrique, tu as de ce côté-ci, une baie que tu n'as pas de l'autre côté, mais parce qu'il y a la porte et qu'elle ne te servirait pas à grand-chose. Voilà. La cheminée pour ton chauffage. Et ici, ce n'est pas du gaz, c'est pour te connecter à l'eau. Donc ils se sont trompés, ce serait un truc, c'est pour mettre ta douche. Donc ça, tu te mets de l'autre côté pour te doucher, comme ça, personne ne te voit. C'est pas mal, hein? Je te montre la cassette. Je parle de WC, évidemment. Voilà. Alors, je te parlais de K-Flex, hein, regarde, tu vois, tout est isolé avec du K-Flex. Franchement, je te montre ici avant. Voilà. Tu vois, là, c'est tout un système technique, hein, voilà, tu as tout, vraiment, mais tout est prof, vraiment. Voilà, accès facile. Tu pourras mettre tes produits bleus ici. Maintenant, je te l'ai dit, tu peux choisir autre chose que cette cassette qui est super basique et pour moi, elle est trop basique. Même pour un Megamobile, je suis désolé. À ce prix-là, ils doivent t'offrir au moins la C236 de mémoire. Mais ça, c'est vraiment la base. Pas trop top, ça. Voilà. Et tu vois, c'est vraiment la base de chez base. Hein. Vraiment. T'as même pas le tuyau pour dégazer, rien du tout. Donc, rien de spécial à dire. Si ce n'est, regarde la finition. Hein. Là. Moi, je suis bluffé. J'ai été voir l'usine, franchement, ça, ils doivent changer. Ça peut pas. Franchement, non. Non, je suis désolé. Voilà. Mais, je te l'ai dit, tu peux la remplacer avec un kit WC Harwinger, par exemple, où là, tu n'as plus d'odeur, rien du tout. Et tu peux mettre aussi des toilettes sèches, tu peux mettre ce que tu veux, parce que tu peux commander ce type de véhicule, comme je te l'ai dit, sans WC. Donc, ça arrive sans WC, et c'est ton distributeur qui met celui que tu veux. Même ça, c'est isolé.
Non, l'isolation, pour moi, c'est un des meilleurs des fourgons que j'ai vu. Là, classique. J'espérais qu'avec la collection 2025, ça serait changé, mais il paraît que non. Donc ça, je suis vraiment désolé. Dommage pour Fiat, franchement, ça, je comprends pas. Bref, c'est comme ça. De ce côté-ci, ben, ça, c'est plus du tout la même chose. Hein. Ça va changer, donc je vais pas m'étendre dessus. Ici, tu as le frein à main, le frein de stationnement manuel, mais évidemment à l'avenir, collection 2025, tu pourras avoir un électrique, et ça c'est bien. Et évidemment, ça va rester, hein, les vitres électriques et réglage de tes rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite. Et ça, pour moi, c'est un point faible de chez Megamobile. Ils doivent le changer avec les Dometic. Pour moi, c'est trop fragile. Tout ça, c'est du plastique super fragile. Ça va faire. Moi, je demanderai à mon distributeur de reprendre cela et de me mettre des Dometic. Sinon, je n'achète pas. Là, je vais te montrer sur les soutes à l'arrière avant de rentrer. Tu vas voir. C'est déjà intéressant. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce sont toutes très classiques. Hein. Mais ce que tu vas voir, ça commence déjà ici. Alors, quand tu seras à l'intérieur, pas de fenêtre, hein, rien. J'ai déjà vu ça chez Forest by Carriage quand j'étais au salon de Villepin de l'année passée où j'ai fait des interviews. Je te mets, je sais pas où, en haut, à gauche, à droite, je sais plus, et en bas, le reportage que j'avais fait. Tu vas voir, c'est aussi quelque chose d'exclusif. Mais, enfin voilà, va voir. En termes d'isolation, tu peux pas mieux faire. De nouveau, va voir la vidéo que j'ai réalisée sur l'entreprise. Ils te montrent tout. Ils m'ont ouvert tout. Et alors ici, regarde, tu as vraiment de l'isolant, du K-Flex partout. Hein. Et tu vois, c'est ce type de pâte qu'ils mettent là pour caler la plaque. Voilà, comme ça, tu as vraiment, c'est vraiment fini. Alors, je vais pas te le raconter, tu as quand même ce pont thermique. Hein. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, tu vois, si tu le pousses un petit peu par là, ton pont thermique il sera coupé, quoi. Parce que tu vas voir à l'intérieur, tu n'as pas de pont thermique sur tout le reste de la porte. Hein. Tu vas voir. Tu vois, je ne sais pas si tu vois, mais tu as le truc qui déborde ici. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça? C'est pour que tu puisses avoir accès à tout ce qui est technique sans souci, parce que sinon, tu n'y aurais plus accès. Donc, vraiment, très bien. Regarde, la même chose pour là, quoi, pour tes ampoules quand tu dois les remplacer, mais c'est isolé de chez isolé, quoi. Tu vois? Regarde, de l'autre côté, tu n'as pas de pont thermique nulle part. Hein. Et alors là, tu as de l'espace. Bon, c'est clair, ce véhicule-ci, tu ne sauras pas mettre tes vélos dessus. Tu ne sais pas soulever, etc. C'est un vélo, c'est un fourgon qui est prévu vraiment pour avoir un salon à l'arrière. Voilà, avec un lit pour dormir confortable, etc. Il suffira que tu mettes des porte-vélos. Si tu ne veux pas ça, alors il faut que tu changes d'autres véhicules. Mais en tout cas, celui-là, c'est comme ça. Tu as, pour mettre une bonbonne de gaz, et tu vois que tu as le crash sensor, donc tu auras la lyre qui va pour pouvoir rouler avec le gaz ouvert, alors que c'est un frigo à compression, donc tu n'as même pas besoin du gaz pour rouler. Mais comme ça, tu l'as, quoi. Hein. Et regarde, c'est du métal. Hein. Ici, c'est du métal. Hein. C'est vraiment du qualitatif. Tu as un joint, mais ça, c'est obligé, parce que c'est en termes de sécurité, hein, l'isolation. Voilà, tu ne vois même pas les charnières. Regarde, elles sont là, les charnières. Bref. Ça, c'est du plastique, hein, c'est pas du métal. Hop, encore pour... Regarde, c'est des bone, je sais plus comment on dit. Oui, bone. Voilà, tu vois, c'est les meilleurs du marché qui me semblent avoir entendu. Il est cher, il est plus cher qu'un segment d'entrée, mais d'un autre côté, hein, une prise de 120 volts, 12 volts, c'est très bien pour ceux qui ont besoin de bonbonnes d'oxygène, ils la tapent là, les tuyaux passent par là, ils l'ont pour leur lit, c'est vraiment bien. Là, ah, tu vois, tu as même de la lumière. Ah, regarde, ici tu as, pour descendre le lit,
d'ici et tu sais le faire de l'intérieur. Parfait, j'ai envie de dire. Parfait. Et alors là, tu es au-dessus, mais je vais essayer d'y aller, mais je ne sais pas comment on va faire. Ben, ça va. J'y suis arrivé. Voilà. Tu vois, tu as encore du rangement. Quoi. Mais bon, et tu vois, tu sais aller de l'intérieur aussi. Hein. Pas mal quand même. Mais de l'intérieur, il faudra que tu descendes le lit, que tu montes sur le lit pour y aller. Hein. Mais bon, voilà. Là, tu mets ta... la manivelle pour descendre ton matelas et le reste, évidemment, on va le voir de l'intérieur. Je referme les portes et on y va. Exceptionnellement, je fais le tour du propriétaire avant de commencer. Allez, on démarre par l'avant. Et l'avant, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout ça change ici dans la prochaine collection. Mais celui qui achètera ce véhicule-ci, il a quand même le volant et le pommeau gainé cuir. Je l'ai dit, c'est un Garmin de 9 pouces de mémoire ou même plus, je ne sais plus. Des GPS, etc. que je ne sais pas te montrer parce que il est... Hein, peut-être, on va voir. Oui, voilà, l'airco, etc. Kit main libre, je te montre tant qu'il se charge les... Voilà, moi je suis désolé, mais je ne suis pas convaincu par ça. Ils doivent avancer avec ceux qui se lèvent à l'avant. Là, donc je vais être au salon de Düsseldorf sur leur stand de le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi. Je pense que c'est tout. Peut-être le mardi, je ne sais plus. Donc, ils m'ont demandé d'y être parce que je connais bien leur véhicule. Et comme il n'y a pas beaucoup de francophones qui sont présents, ben ils m'ont demandé de pouvoir aider les potentiels clients à expliquer. Mais avec ma transparence, je vais le faire. Mais donc, je vais avoir l'occasion de parler avec eux et je leur dirai, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils doivent évoluer. Ça, c'est... Quand j'étais à leur usine, ils m'avaient expliqué que... ils étaient ouverts, donc je pense qu'il y aura sûrement des évolutions. On verra, je continue. Donc tu vois, voilà, j'aurais pas su mieux faire, tu choisis, mais je vais pas rentrer dedans, mais donc ouais, si je me suis là, tu mets la dimension, tu vois, il est vraiment très 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 complet, quoi. Hein. Voilà, next preview, voilà. Ouais, il faut que je commence par ça pour pouvoir rentrer dedans. Mais sinon, tu as tout le téléphone, le kit main libre, radio. La preuve, tu l'entends. Ouais, voilà, je le coupe, il va s'éteindre. Voilà, là-dessus, rien d'autre. De ce côté-ci, tu n'as pas de tapis, mais là, sincèrement, hein, négocie-le. Quoi. Sur l'avant, tu n'as rien. Voilà, c'est la base classique du Stellantis, parce que j'allais dire Citroën, mais ça peut être Peugeot, ça peut être Fiat, ça peut être la même chose. Là, tu as de l'éclairage, et ça c'est bien, parce que sinon ce serait vraiment un coin super sombre. Maintenant, ce que je veux te montrer, c'est la base des sièges Fiat, hein. Fiat ou Stellantis, tu m'as compris. Mais, il recouvre ça, tu as plein de sortes différentes de tissus, de couleurs, tu peux mettre de l'alcantara, etc. J'ai discuté quand j'étais à l'usine. Hein. Globalement, si on veut vraiment bien conseiller un client pour tous les aspects qu'il peut choisir, et pas forcément avec des... Ah, il me semblait bien que j'avais une araignée sur moi, depuis tantôt. Vraiment choisir tout, et pas forcément avec des options payantes. Hein. C'est juste des choix de couleurs, etc. Il faudrait 3 heures. Voilà. Mais je considère que ce type de véhicule qui est vraiment premium, les personnes doivent te passer du temps. En général, dans les concessions où je vais, c'est ce qu'ils font. Bref, je continue. Donc, les sièges, vraiment qualitatifs, je les ai vus à l'usine. Il y a juste ça. Ça, je suis désolé. Vraiment, il doit faire un manchon dessus. Ça, c'est aussi une remarque. C'est ça, ça et la cassette USB. C'est, je pense, les 3 points que moi, je remets en cause chez Megamobile. Mais c'est 3 points qui pourraient vite évoluer. Sache que tu as quand même l'option siège agouti. Je pense que c'est comme ça. Où là, à ce moment-là, c'est en tissu. Tu ne choisis pas les couleurs de ce tissu-là, mais tu as des accoudoirs en tissu. Voilà, je pense qu'il devrait faire un effort à ce niveau-là. Je veux
parce que là, voilà, c'était le côté moins positif, mais le reste, tu vas voir. Regarde un petit peu la qualité de finition. J'ai rarement vu ça, franchement. Et regarde là, je ne l'avais même pas vu dans certains véhicules, c'est ta penderie. C'est une mini penderie, hein, mais tu sauras mettre tes robes, quoi. Donc, et là, tu as encore un petit rangement. Hein, c'est... Vaut mieux faire ça que d'avoir laissé vide. Donc, ça aurait été un ramasse-poussière. Donc, voilà. Sur le dessus, je te l'ai dit, c'est un H3, donc il est haut. Hein. Tu as du rangement. Là, tu mets tes coussins, par exemple, hein, puisque ton lit pavillon, tu ne pourras pas laisser évidemment tes coussins dessus. Donc, tu pourras mettre tes coussins à ton édredon ici, par exemple. Ça, ça ne fera pas de bruit, puisque sinon, comme c'est du plastique, juste au-dessus de ta tête quand tu roules, boy. Hein. Sur l'avant, j'ai oublié de te le dire, mais tu as encore ici de l'éclairage. Tu as même... Ah, ça, c'est la marche extérieure. Là, c'est l'éclairage de système de chez Fiat. Voilà. Donc là, comme ça, tu l'as vu, c'est la seule marche que tu as, mais c'est classique dans les fourgons. Tu as une bouche d'aération de ce côté-là, enfin, en tout cas pour le chauffage, encore une là. Il y a aussi la possibilité d'avoir un chauffage au sol, mais pas électrique. Donc, c'est vraiment ton chauffage qui chauffe le sol. De nouveau, c'est expliqué dans la vidéo où je te montre l'usine. Et t'as pas de siège, tu vois. Donc, on passe tout de suite à la cuisine. Et la cuisine, j'ai oublié de te montrer avant 30, mais je vais te le montrer après. Ici, tu dois avoir, voilà, un plan de travail en plus. Voilà, un petit rangement. Ici, pour mettre tes chaussures ou tes pantoufles quand tu rentres, quand tu sors, par exemple. Voilà, je te remonte là, parce que j'ai oublié de te le montrer. J'ai même oublié deux choses. La première, c'est ceci. Hop, tu peux y aller de l'intérieur, de l'extérieur. Et là, tu as une tablette. Voilà. Alors, je referme. C'est verrouillage centralisé, mais ça, on s'en doute. La porte moustiquaire. Et dans les H3, ça ferme jamais trop bien. Tu vois? Ça, c'est les H3. Dans plusieurs marques que j'ai fait. Donc, un peu dubitatif par rapport à ça. Allez, je rentre. Et je te montre aussi un point à améliorer. Ça ressort. Ils doivent le remplacer, qu'il n'y ait pas de ressort. Là, évidemment, c'est la moustiquaire classique. Je dis là parce que je vais me faire tutoyer si je dis le. Bon, de toute façon, vous comprenez ce que je veux dire. Vérin, et ça, c'est bien. Vraiment, moi, je suis très content de ce véhicule. Regarde un petit peu les finitions. Regarde. Et ça, c'est au-dessus de tout ce qui est déjà isolation. Hein. Tu as un panneau en bois, là, au-dessus de tout, qui recouvre. Ici, c'est de l'alcantara. Tu vois, c'est couleur noir et blanc, quoi. C'est... Enfin, t'aimes pas, hein, mais... Oh, moi, je suis assez bluffé de ce que je vois. Tu as, pour ranger ici, tu vois, hop, avec un petit éclairage. Là, c'est pour un là-dessus, tu vois. Voilà, c'est... Hop. Voilà. Tant que je suis ici au-dessus, ici c'est pour l'éclairage de dehors, l'allumer, l'éteindre. Ici c'est un interrupteur, un deuxième interrupteur, une prise, tac tac tac. Et là c'est des prises USB et petit rangement pour mettre tes affaires. Une armoire grande puisque c'est H3, t'as beaucoup de rangement quoi. Hein. Et charnière, hein. On discute pas, hein. On discute pas, franchement. Hop, encore une ici. On va continuer à descendre par ici. Hein. Là, du rangement, toujours métallique. Hein. C'est magnifique, franchement. Ben, j'arrête pas, mais je suis assez ébahi. Regarde. On va voir après les. Mais on va le voir après. C'est qualitatif. Ici, c'est ta marche pour monter au lit. Et en même temps, tu peux ranger tes affaires. Tu vois? Et comme ça, on le verra après. Et comme ça. Tu l'as vu. Voilà. Je continue en bas. Ici, c'est un tiroir. Hop.
c'est la tablette et c'est là où tu ouvres par l'extérieur. Donc tu pourras mettre tes verres et tu pourras les prendre des deux côtés. Voilà, un tiroir. Et regarde, ça c'est du métal. Hein. C'est qualitatif. Franchement, j'ai vu l'usine. Tu vois, c'est... Et en fait, là, tu as des petits boutons métalliques qui sont enfoncés là. Et ça, c'est, j'ai rien à dire, si ce n'est que c'est bien. Ça, c'est pas du métal. Hein. C'est marron. Tout le reste, c'est métal, mais pas ça. Ah, ça, ici, c'est très basique. Hein. Très basique. Voilà. Mais tu as ce qu'il faut. Hein. Tu n'as rien besoin de plus. Hein. Ça, c'est bien. C'est, ça, c'est, tu peux l'enlever. Ce sera facile à nettoyer. Évidemment, piezo électronique. Écoute, là, le petit plan de travail, mais avec celui-ci. Plus, ici, hop, tu as des joints en plastique et en plus, c'est métallique. L'éclairage, je te l'ai dit. Tu as ici, ouais, je vais faire le dessus. Hein. Il y a aussi un hublot, un lanterneau 40-40. L'air conditionné, et là, encore un 40-40. Donc, à la limite, tu pourrais mettre un turbo-vent en plus, hein, donc ça, tu n'es pas obligé, quand tu as pas la 220, de l'utiliser. Voilà, on a fait le bloc cuisine. Là, tu as une quinzaine de sortes différentes. Hein. Je finis la cuisine ici, tu as encore ici du rangement, tu vois. Voilà, et je t'ai parlé de 115 litres de mémoire, ou 125 litres de frigo. Eh bien, à ce moment-là, tu as un tout petit tiroir en dessous, et puis tu as ton frigo. Voilà. Il y a d'autres véhicules que le Lunch. En fait, tu as une colonne ici, plus large évidemment. Et là, à ce moment-là, tu peux choisir avec un grand ou un petit frigo, mais en plus, où tu veux le placer. Donc, c'est vraiment... C'est pour ça, il faut bien 3 heures pour expliquer aux gens. Quoi. Bon, voilà, frigo à absorption, hein, c'est le plus petit ici. Voilà, moi, j'en prendrai un plus grand, évidemment. Voilà. Ici, c'est pour la télévision, mais elle sera petite. Tu ne pourras pas mettre une grande. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Parce qu'il n'y a rien à faire. Tu ne sauras pas la glisser dedans. Tu as encore une armoire ici. Tu vois, tu as du rangement. Quand c'est un haut véhicule Coxa, tu as du rangement. Prise, hop, 220, 12 volts, prise USB, les deux. Pour le lit, après. Ici, c'est ta sonde bien mise pour le chauffage. C'est loin de la porte d'entrée et à hauteur de personne, donc c'est très bien. Ici, c'est la température pour le Truma. Alors, il y a des véhicules, pas ici, mais il y a des véhicules. Sur le Truma, il y a tout, y compris tout ce qu'il y a là. Donc, par exemple, comme l'Eden Camp. C'est pour... ouais, il est fermé, évidemment. Voilà. Pour l'air... enfin, tout. Je ne vais pas l'allumer, évidemment. Mais donc, tu as tout ce qu'il faut ici pour allumer... t'as la line net qui est compris dedans, mais ça, c'est dans tous les nouveaux, pour ton chauffage chauffe-eau. Voilà. Ici, pour le frigo, pour la pompe, quand tu as un turbo-vent, je pense que l'airco, tu peux le mettre... Non, c'est pas celui-ci. Ici, c'est pour le frigo, tu vois. Voilà. Là, c'est... je pense que... Non, c'est pas, je pense. Quand tu as un turbo-vent, ben, tu peux l'allumer d'ici. Là, c'est pour les auxiliaires. La pompe, je te l'ai dit, pour la lumière. Là, l'inclinaison. Je te montrerai ça pour allumer et éteindre. Voilà, là c'est pour comment la température, les batteries. Ici c'est pour l'hygrométrie hein, de l'air. Là c'est pour l'inclinaison. Il est vraiment complet. Hein. Voilà, là c'est pour les températures, tu vois, du frigo, de tout quoi. Intérieur, extérieur, c'est pour tes réserves d'eau. Grise, etc. La batterie, il est super complet. Quand il charge, quand tu utilises le booster, quand il y a un booster, la même chose, voltage, c'est pour aussi l'autre batterie. Voilà quoi, il est super complet. Voilà, je ne sais plus si je t'ai montré, mais je ne pense pas. Encore du rangement pour deux, vous serez tranquille. Et ici, c'est ton chauffage, super facile d'accès évidemment. Tu as la vanne de sécurité au cas où. Et tu as vu ici, tous les tuyaux sont isolés. Hein. Tu vois, vraiment, la vanne de sécurité, c'est pour quand il fait moins 7, comme ça. Le circuit d'eau
se vide, moins de 7 degrés, pas moins 7 degrés. Ça te permet en fait d'éviter de péter tous tes circuits d'eau, y compris ton chauffage. Quoi. Là, c'est tout ce qui est électrique. C'est vraiment, tu vois, ici, c'est la batterie AGM de 80 ampères. Hein. Et c'est du Victron ici. Hein. T'as tout. Hein. T'as le MPPT. Vraiment, je l'ai vu quand ils l'ont monté à l'usine. Franchement, regarde les charnières. Regarde un peu les charnières. C'est du qualitatif. C'est un prix, hein. Je vais pas te le cacher. Hein. C'est un fameux prix. Là, t'as... Ah, mais attends. T'as... Donc, là, l'éclairage, là, c'est avec l'interrupteur là. Une prise de 120 volts et une prise USB. T'as des prises partout parce que t'as encore des prises USB ici. Je suis content. Il est content. Et je fais d'abord le salon. Est-ce que j'ai besoin de te dire quoi que ce soit? C'est vraiment confortable. Vraiment. Tu peux les enlever si tu veux, mais et regarde la qualité. Hein. Regarde ça. Vraiment. Vraiment. Bon, c'est noir et blanc, hein, c'est un choix. Hein. Moi, c'est... Ah, regarde ce que je te disais. Tu vois, je regarde un peu partout. Hein. T'as pas de point thermique? C'est... c'est... Pff. Allez, tant que j'y suis, je te montre au-dessus. C'est des petites armoires, quoi, que ça partout. Hein, voilà. Là aussi. Ici, c'est le mécanisme mécanique au cas où l'électrique tomberait en panne. Ici, chut, ça rentre dedans. T'es pas embêté. T'as de l'éclairage, t'as les interrupteurs, des prises USB encore, une prise de 120 volts. La même chose de ce côté-ci, là-bas au bout, mais je vais te le montrer quand on y sera. Je te montre là. C'est du dur, c'est pour ça que ça dépasse, il n'y a pas de problème. Ça doit se soulever. Voilà. Hop. Tu vois? Tu as une pompe à eau avec un vase d'expansion, et ça c'est rare, ça veut dire que tu n'auras pas d'à-coup. Et là aussi c'est isolé, hein, les tuyaux, je ne sais pas si tu vois. Tout est accessible, hein, tu vois. Hop. Ici, c'est une plaque, je vais la retirer de ce côté-là, j'aurai plus facile. Je dis ça, mais c'est pas plus facile. Bon, bref, c'est un... Tu sais aller et c'est ta réserve d'eau, là, de toute façon. Mais tu vois, tout est accessible, quoi. Et là, c'est accessible aussi. Tu as encore du rangement ici, quoi. Ça, c'est... Ils sont forts. Ils sont forts, je le dis. Voilà. Donc, évidemment, la même chose là, hein. J'ai pas chaque fois la même chose. Mais là, tu as vu, c'était batterie, etc. Ici, au-dessus, ben, évidemment, il n'y a rien qui bouge. Tu l'as vu de l'intérieur. Tu as aussi les coussins qui vont avec. Et qu'est-ce qu'on est bien. À la limite, si tu es fatigué, tu peux te coucher là, regarder la TV. L'avantage avec celui-ci par rapport aux 5,40 m, c'est que tu as quand même une partie de soute à l'arrière. Donc ça, c'est bien, quoi. Ça, c'est bien. Franchement, je te disais là au-dessus, encore... là, c'est l'interrupteur pour là, tu vois... les prises USB, les prises de sang. Là, tu manques de rien. C'est la même chose là encore. Hein. Pff, il est super. Et alors, ils ont apporté une amélioration. De nouveau, sur la visite de l'entreprise, tu le retrouveras. Ici, c'est un truc qui se soulève et je vais te montrer pourquoi. En fait, quand tu descends le lit, si tu laisses les sangles, elles arrivent ici et donc tu n'as pas un lit complet. Mais en fait, c'est le système que tu passes tes sangles en dessous et elles passent par là. Mais avant... Avec l'ancien, quand on remontait les lits, si les gens oubliaient de l'enlever, eh bien, la tâche cassait. Et maintenant, ben, elle ne se casse plus. Donc, très bien. Très bien. Félicitations. Tu as de l'espace de rangement. Pour deux, pff, oh, j'ai chaud. Dommage que je ne sais pas allumer l'air. Bref, c'est le même que le mien, tiens. Sur le coup, il me reste le lit pavillon à te montrer et la douche. Et je commence par la douche. J'ai oublié de te dire, mais elle, tu peux la refermer. Comme ça, si tu veux à la limite faire un lit supplémentaire ici en dessous, tu peux. Et elle se tourne comme tu veux. Et elle avance et elle recule. Tu fais ce que tu veux avec cette table. Franchement. Alors là, elle est un peu dure parce que je l'ai calée, mais. Bref. Voilà. Comme ça, maintenant, elle ne descend plus. Elle est. Moi, je l'aime ce véhicule. Vraiment, je l'aime. Allez, je te monte la douche. T'as vu la douche? Hee 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 hee.
Je te dis tout de suite, parce que je connais vraiment bien ces véhicules. Pour moi, parce que ça, c'est bien pour mettre tous tes produits, tes shampoings, tu as de la place assez. Mais ils devraient faire une barre, quoi. Une petite barre pour empêcher que les choses ne tombent. Ça, c'est dommage. C'est la seule chose qui manque. J'avais pensé aussi qu'ils fassent... Tu vois, parce que tu mets la douche, la porte comme ça, qu'il fasse un peu plus long pour que ça y compte, mais je pense que ce serait plus simple ce que je t'explique. Mais pour moi, il pourrait même la faire un peu plus large, hein, pour, comme ça, pour mettre tes produits. Mais t'as vu la douche? Alors, hop, 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 je la referme. Il n'y a rien pour protéger, mais c'est pas grave. Moi, je mettrais une double bonde. Ici, il n'y en a qu'une. Voilà. Je rentre dedans. Un peu. On se tourne sans problème. C'est une des meilleures douches dans les fourgons. C'est design en plus. C'est du plastique tout ça. Mais tu as tout ce qu'il faut. Les joints, tu as le chauffage. Je vais la mesurer. La hauteur, évidemment, c'est un H3, t'as pas de problème. Si même là c'est un peu ouvert, c'est pas grave parce que c'est tellement haut que ça fait mal. Je la mesure. Profondeur. 65, largeur, 58, haute, 2,10 m. J'ai envie de dire ça va, non? Continue. Si je réfléchis, c'est fermé. Je mettrai à la limite ma serviette là. Ouais, évidemment, j'ai mon... Comment? J'ai ma caméra, hein, mais sinon je pourrais prendre ma. Comment? Oula, mes sous-vêtements par exemple, et je ne serais pas non plus. Donc tu ne seras pas obligé de te balader dans ton plus simple appareil dehors. Bien. Rien à dire. Je suis désolé pour la douche, mais elle peut mal. De toute façon, ça, c'est solide. Un petit coup, et ce sera nettoyé après. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui disent « Tu pourrais mettre quelque chose dessus, retirer tes chaussures. » C'est pour rire ce que je vais dire, il ne faut pas le prendre. Hein. Mais des fois, il vaut mieux laisser ses chaussures que de laisser ses chaussettes. Hein. Bon, voilà. Bien assis, tu as de l'espace, tu n'as pas de soucis. Et ici, tu peux... Oh, non, tu es bien. Franchement, tu es bien. J'ai encore quelque chose à te dire avec ça. Chez Megamobile, tu as le choix soit celui-là, tu vois, et t'as... Voilà. Ici, c'est pour arriver... tu as vu tantôt, on avait l'eau dehors. Eh bien, c'est ton système, là. Donc ça. Tout est accessible. Vraiment. Moi, je les félicite. Franchement, je les félicite. Voilà. Donc, celui-là. Ou alors, c'est une armoire aussi, mais tu as la vasque qui avance. Elle ressort comme ça. Tout ça, c'est du plastique, c'est design. Seule chose, hein, quand tu vas te brosser, c'est pour ça l'autre. Moi, je pense que je choisirais l'autre. Parce qu'ici, c'est un petit peu scabreux. Quand tu dois nettoyer, il faudra que tu mettes... Enfin, scabreux, voilà. Tu vois, tu le mettras avec la jambe plat comme ça, pour te brosser les dents, etc. Ça ira quand même, tu sais, ça ira quand même. Mais bon, voilà, il est là. Mais moi, ça me plaît bien. Un beau miroir, bon, il faut qu'il fait chaud, hein. Une grande armoire encore, tu as une prise 220 volts, interrupteur, reste le lit pavillon. Je te montre tout de suite. Voilà. Ah oui. Voilà, comme ça, j'ai mis du mou. Et vous allez voir, voilà ton lit. C'est immense. Hein. Maintenant, la seule chose, c'est de se dire, comment est-ce que tu vas faire pour mettre ton édredon? Je pense personnellement, moi, je ne mettrais pas un édredon, je mettrais plutôt un drap de lit qui serait découpé à cette dimension, qu'on mettrait dessus, et avec évidemment une couverture au-dessus. Mais je ne ferais pas un truc qui emballe tous les coussins, tu vois. Et comme ça, ben, je le mets le soir avec les coussins, etc., que je range là-bas devant, et puis j'ai un lit super. Et tu vois, c'est ça que je te disais. Bon, là, non, tu dois juste mettre ces coussins-là, et puis ça passe par là. Et tu vas voir, je l'ai fait sur les deux là. Tu vas voir quand tu vas remonter le lit, logiquement, ben, d'abord, on va enlever ça. Hein. Ben, je vais le soulever et puis je le remettrai après. Hein. Ben, donc tu retires ces deux coussins là, tout simplement. Tu remontes et regarde. Hein. Hop. Avant, ça restait comme ça et ça cassait. Maintenant, il se soulève et ça se bouge.
C'est pas mal, hein. Alors évidemment, là, maintenant, je vais les remettre par là derrière. Je n'ai qu'une main, pour ça, j'ai moins facile, évidemment. Hein, mais quand tu as deux mains, c'est vite fait. Franchement, je le trouve super intéressant. Et puis alors, je le remonte. Et voilà. Alors, évidemment, ça va moins vite en montant. Il faut savoir que ces matelas sont pas fort épais, mais c'est à mémoire de forme. C'est, en fait, il y a Megamobile, qui est assez jeune, hein, une dizaine d'années de mémoire, et puis il y a Megatextile. Et ça date depuis plus de 50 ans. Et ils sont spécialisés dans tout ce qui est tissu, matelasserie, quincaillerie, etc. Et donc, ils ont réussi, si tu vas de nouveau voir la vidéo que j'ai faite sur l'usine, ils ont réussi à avoir des matelas avec une pas trop épais, comme ça on gagne de la place, mais avec mémoire de forme, et donc c'est vraiment très agréable pour se coucher. Tu vois, c'est vraiment, là c'est de la mémoire de forme, c'est vraiment agréable. Avant de le refermer, tu vois, ça c'est la trappe qu'on a vue de l'autre côté, ben, tu peux l'ouvrir ici aussi. Allez, je remonte. Ah oui, j'ai oublié. Ah mais non, on peut l'ouvrir d'en dessous. Ah mais je les ai montrés déjà. Ah, c'était sûrement, et il est passé. Et il y a une autre marque, hein. Ça arrive, le fusil saute. Donc, ouais, il est bien remonté. Non, il y avait bien des armoires que je t'ai pas montrées. Je suis désolé, je les redescends, on va voir. Et voilà. Et c'est bien parce que quand tu es au lit, tu as encore de l'espace, quoi. Voilà. Regarde. Ils ont tout utilisé. Hein. Donc, à la limite, tu vois, tu as tes affaires pour la nuit, là, pour lire tes livres, etc. C'est vraiment bien. Prêt à débloquer les secrets de tes prochaines aventures ? Découvre un véritable trésor d'idées pour tes futurs voyages, en plus d'un article complet sur le sujet. Tu y retrouveras des livrets de voyage et des idées de livres, et c'est sur mon site, lepetitmarcel.eu, évidemment. Et n'oublie pas, avec Marcel, chaque voyage devient une histoire partagée. Conclusion. J'adore. D'ailleurs, je vais aussi le mettre dans mes coups de cœur. J'en ai déjà un dans mes coups de cœur, mais ce n'est pas un salon comme ça. Et si j'ai déjà mis le launch, mais je l'enlèverai et je laisserai celui-ci, parce que celui-ci, il est extraordinaire. Je te le dis tout de suite, est-ce que je pourrais l'acheter? C'est évident. C'est évident. Moi, alors que je ne suis pas fourgon, mais un H3 comme ça, c'est vivre à deux. Hein. Voilà. Voir seul. Ça ne sera pas mon cas, donc. Mais. Oh non, il est bien. Il est bien. Est-ce qu'il y a des choses de bloquantes? Zéro. T'as beaucoup de rangement, t'as beaucoup d'espace, tout est bien pensé. T'as tellement de prises partout, je suis certain qu'il y en a que j'ai loupé. Franchement, je suis certain qu'il y en a que j'ai loupé. Non, il est parfait, la douche, elle est extraordinaire. Les points d'amélioration, je te les ai dit. Hein. Les stores en rouleur, ça, je suis désolé. Ils doivent améliorer ça. Les manchons sur les accoudoirs des sièges avant, les occultants, alors vraiment. Et alors la toilette, la cassette WC, non. Je suis d'accord qu'ils le proposent avec un WC sec aussi, mais si toi tu veux vraiment un WC chimique, tu dois avoir la version 226 ou 36, en tout cas la même que moi, avec les bouchons orange, c'est la cassette orange. Ça c'est le minimum, avec un SOG évidemment, que tu n'as pas ici non plus. Voilà, c'est tout, parce que pour le reste... Ah non, moi je l'aime. Vraiment, c'est un coup de cœur de chez coup de cœur. Je devrais mettre un double coup de cœur, quoi, parce que, en plus, comme il est mis ici, et puis, ils ont vraiment amélioré les choses. Curieux de voir s'ils vont améliorer les points que je te dis. Voilà. Évidemment, je te l'ai dit déjà, hein, c'est un véhicule plutôt de luxe, donc c'est pas un entrée de gamme, tu l'auras pas à 60 000 euros. Hein, ça, c'est clair. Et puis la hauteur fera aussi que tu ne pourras pas non plus voyager partout avec les portiques en mode 2 mètres, etc. Donc il y a quand même des petites choses comme ça qui me restent à t'expliquer. Et ça, ben, c'est maintenant.
où partir à l'aventure avec ce véhicule? Pas n'importe où. Avec ce véhicule, tu pourras te faufiler hein, sur les routes bien pavées, mais évite quand même de jouer les Indiana Jones sur les chemins douteux. Hein. Sauf si tu le prends en 4x4, ce sera un peu plus simple. Les seules pierres précieuses que tu trouveras là, ce sont des nids de poules prêts à avaler tes roues. Pour dormir, les aires de repos et les campings accueilleront facilement ce palace roulant. Moi, j'ai envie de dire palace roulant. Mais aussi sur les abords d'une forêt, par exemple. Hein. Avec la version 4x4, tu pourras même t'aventurer à l'intérieur de celle-ci, tout en respectant les lieux quand même. Hein. Donc les campings et les aires de repos prévues pour les camping-cars sont assez spacieux pour t'accueillir, évidemment. Mais rappelle-toi qu'à l'avant, c'est comme un nez de clown. Hein. Il ressemble à un fourgon traditionnel. Autrement dit, ce n'est pas isolé du tout. Pas plus qu'une boîte de conserve ouverte au vent du nord. Alors ici, ce ne sera que là. Mais pendant ce temps-là, c'est quand même le cas. Alors, pour ne pas te transformer en esquimau, couvre-le bien. Par exemple, pourquoi pas un manteau soplaire. Après tout, lui aussi a droit à un peu de haute couture, non? Au niveau du développement durable, ce constructeur a joué la carte comme je l'explique dans la vidéo de l'usine. Tu y découvriras tout, évidemment. Si tu veux être mon héros du jour, c'est simple, donne un coup de pouce en l'air et laisse un commentaire parce que l'algorithme de YouTube, il en raffole et moi aussi. C'est vrai que ça me donne des papillons au ventre. Et pourquoi pas un pèlerinage sur mes sanctuaires sociaux. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour des exclusivités tellement off qu'elles n'oseraient pas se montrer sur YouTube. Les liens, comme toujours, joue à cache-cache sous cette vidéo. En ce mois d'août, ce véhicule, avec les options embarquées, t'est vendu à un peu moins de 111 000 euros. De base, il est affiché à moins de 84 000 euros. C'est le prix d'un véhicule de luxe, il ne faut pas se le cacher. Mais l'est-il à tes yeux? Hey, as-tu entendu parler du Saint Graal des voyageurs? Je te parle de ma checklist qui t'assure de ne jamais oublier ton pyjama ou ta brosse à dents ou encore d'autres choses qui sont tellement importantes quand tu pars à l'aventure. Et figure-toi que je la distribue gratuitement, mais seulement aux élus qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors tu attends quoi? Un signe divin peut-être? Pour rejoindre le club très fermé des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est par là. Et c'est par là. C'est gratuit et ça peut juste rendre ta vie meilleure. Autre chose, n'oublie jamais que Marcel voyage, Marcel partage. Et ensemble, on casse des baraques. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles péripéties avec ton kit préféré. Prends soin de toi.